Salut à tous, c'est Lushban sur Samurai Warriors 4. Donc dans la suite de notre bataille, toujours avec notre personnage, avec son double lame, dans lequel nous essayons de débloquer les objectifs de mission. Donc on essaye de faire durer un petit peu le plaisir. Parce que là, logiquement, un nouvel objectif. Donc logiquement, voilà, elle serait plus proche pour pouvoir y aller. Donc on va se servir d'elle. On n'a pas spécialement de temps apparemment, donc ça va, on n'est pas aux pièces comme qui dirait. Voilà, faut pas surtout se gourer d'endroit parce que vu que le boss a pas l'air d'être bien loin. Ça serait dommage de passer directement power attack augmenté. Bon d'accord, apparemment j'ai fait monter le power attack. Bon, je sais pas comment, mais je l'ai fait. Voilà. Et voilà, objectif atteint. Alors, bon là j'ai intérêt à faire attention parce que là, je suis près du boss. C'est pas le but pour l'instant. Parce que, le but étant d'essayer de déclencher toutes les petites missions qu'il pourrait y avoir, tous les objectifs du jeu. Donc c'est pas de tuer tout de suite le boss. Mais bon, j'ai peur que vu que le nôtre il soit déjà il se fasse avoir et que ça fasse encore une nouvelle défaite. On va essayer de revoir un petit peu en essayant de passer par derrière lui. Voilà, c'est pour lui. Ok, donc là, je sais pas où c'est de passer par là. Hop. Ah ouais, ça c'est voilà, nouvel objectif. Ok, le nouvel objectif lui c'est, ah d'accord, il est juste à côté de moi. Parfait. Et voilà, je surveille quand même mon perso qui n'en pas de l'autre côté. Ça serait dommage. D'avoir fait tout ça pour des prunes. Ok. C'est ça, c'est que apparemment on a aussi un perso principal, donc il faudrait pas qu'il meure, je pense. Ça pourrait être un peu compromettant pour la réussite, même si on a réussi à battre tout le monde jusque là. Donc restons vigilants dans ce que nous faisons. Même si pour l'instant je dirais qu'au niveau moral des troupes et compagnie on a l'avantage. Ça c'était de l'attaque ça. Lui me plaît bien. Ouais, avec son double lame il me plaît bien là. Ses attaques plutôt ravageuses. Il est plutôt excellent. Pour faire le ménage, je dois reconnaître que ça il est efficace le gars. Hein. Il y avait quelque chose que j'ai laissé tomber. Non, j'ai dû le ramasser en même temps. Là non, c'est ça, s'il y avait de la vie, d'accord. Donc, on la prend. Voilà, donc on est en train de rejoindre notre groupe d'amis. Voilà.
Là, je récupérais de l'expérience, apparemment. Bon, bah. Je crois qu'il a encore l'espérance d'avoir un capitaine, peut-être pour quelques temps. Voilà. Bon, moi, j'ai admiré d'avoir fait monter l'attaque normale déjà, c'est déjà ça. Ah ah. Oh non, j'y crois pas, nous avons mis KO tous les deux. Non, il est sérieux là. Et on va essayer de l'achever avec un spécial. Je pense pas que nous ayons toutes les missions, mais au moins on devrait avoir la victoire. Qui sera déjà pas mal. Ah, et le but, hein, c'est surtout d'avoir la victoire, bien sûr. Hein, c'est. C'est vraiment ça le plus important. Voilà, victoire, donc objectif rempli. Donc ça, déjà, alors. Voilà, donc il nous en manque encore deux que nous n'avons pas déclenché. Dommage. C'est pas grave. Maintenant elle est passée un pouvoir attaque, donc maintenant elle est passée à 2, c'est bien. Elle peut porter 6 items, ça c'est bien. Lui peut en porter 5. Et il a plus 4 en attaque normale et plus 2 en hyper attaque, ça c'est bien. Ensuite, donc ça c'est les coups, donc là elle vient d'avoir une nouvelle arme, 2 nouvelles armes, 3 nouvelles armes, 4 nouvelles armes. Et bah quelle surprise, je dois vendre des armes. Oh bah alors ça c'est... Franchement on m'aurait pas dit, j'aurais pas su. Là j'avoue que... ensuite et bah, nous allons vendre... voilà. Apparemment bah, nous en avons tout un tas donc... donc on va au moins une on va voir celle là voilà finish pour les armes, c'est fini. Ah, et lui il en a gagné 2. Ah, ça c'est intéressant. Donc bon bah lui on l'avait déjà eu, lui on l'avait déjà eu, c'est d'accord. Ah, à nouveau niveau 2. Ah, intéressant. Donc ça c'est bien, donc un bel item.大した器ではないと。将も将よの、情けも知らぬ主のため無駄に命を散らしおる。それはつまり家康にはそうまでして成し遂げたい何かがある。家臣もそれを心得ている。と。あっはっは。信行は悟いの。 さて、気がかりなのは雪村よ。おことも薄々感じていよ。雪村の本質。あやつは信繁に似ておる。どこまでもまっすぐ。己の信念に死すような男よ。もし弟を失えば、私は親方様のように振る舞えないでしょう。 それでは雪村が悲しんであるよ。堂々とせよ信行。死なだれた背中を雪村に見せてはならん。はい。
Mane Nobuyuki. Ieyasu wa taosetemo maniawan kamoshiren. Okoto ni washi to onaji omoi wa sasetaku nakatta ga. Et encore du blabla, voilà, donc on a servi de ce côté-là. あの男一人生かすために、そうも霊も孤独っていう命を投げ出した恐ろしい男だ。ただの右足の速い狸じゃないんですね。やつがこれで終わるとは思えない。倒してみたくならないか。堂々と真正面から。 Et ben voilà, nous allons donc éviter l'épisode là. J'espère que cette session vous aura plu. Nous avons réussi enfin à passer sans perdre cette fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je mettais des commentaires, des j'aime, des j'aime pas. Enfin, vous connaissez la formule habituelle. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.